Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr bonne vidéo. Comme tu peux le voir, j'ai offert des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un plano ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu vas mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PS4 dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était Fintex. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Hey, bien salut tout le monde, c'est Fintex. J'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour moi, vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et comme d'habitude, n'oublie pas de tout se rendre dans la boutique d'objets et de rentrer tous le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Cela me fait vraiment super plaisir. #AD, voilà, vous le rentrez tous. Aujourd'hui, on va tout simplement tester une toute nouvelle map pour obtenir des V-Bucks gratuitement à ce qui paraît. Alors, tout simplement, on va tester ça aujourd'hui. Comme d'habitude, on va dans le code de l'île et là, on va tout simplement rentrer le code de l'île. Voilà, c'est vraiment super simple. Et là, ce qu'on va faire, on va directement lancer le jeu. Comme on peut voir, il y a plusieurs distributeurs. Et nous, c'est ce qu'on va chercher à avoir pour voir si ça fonctionne réellement ou pas. Ok, du coup, là, on se trouve directement sur la map. Ce qu'on va chercher à savoir, c'est où se trouve le soi-disant bouton secret pour accéder à la salle secrète avec plein de V-Bucks. Alors, à ce qui paraît, on se retrouve dans un coin juste au-dessus. Alors, comme on peut le voir, Secret Room. On va cliquer directement pour accéder à la salle secrète. Et ici on a plusieurs distributeurs avec plusieurs choses qui sont vraiment assez bizarres. Ici on a des distributeurs qui sont cassés, je crois. Ici on a un distributeur avec un point d'interrogation, et le plus important, c'est le distributeur avec les V-Bucks. Ici on a un distributeur avec un casier ou je sais pas trop quoi. Ici on a des skins de Dragon Ball. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'obtenir les V-Bucks gratuitement. Alors, ce qu'on fait, on clique une fois pour obtenir les V-Bucks. Une fois que vous avez cliqué pour obtenir vos V-Bucks gratuitement, vous devez attendre plus ou moins 48 heures avant de recevoir vos V-Bucks sur votre compte Fortnite. Et du coup, c'est ce qu'on va voir si ça fonctionne ou pas aujourd'hui. Je clique également pour obtenir le casier avec le skin de Piccolo. Je crois que c'est bien lui. Alors, on clique plusieurs fois. Et on clique également ici pour obtenir les trois skins. Il y en a un skin ici, un skin au milieu et un skin là. Ici, on a les accessoires. Le planeur, les mods. Alors, on clique plus vraiment plusieurs fois pour obtenir. Mais le plus important, c'est d'obtenir les V-Bucks gratuitement. Ah ouais, du coup, il y a carrément une zone. Allez, je clique encore une fois. Hop là, c'est bon, c'est fait. Et là, on retourne vite à l'intérieur. Ok, du coup, là, ce qu'on va faire, on va directement retourner au lobby Fortnite pour voir si j'ai obtenu mes V-Bucks ou pas. On attend la connexion. Comme on peut voir, j'ai toujours 0 V-Bucks actuellement sur mon compte Fortnite. Du coup, j'ai dépensé tous mes V-Bucks pour faire la vidéo. Et d'ici 48 heures, à ce qui paraît, je devrais avoir plus de 13 500 V-Bucks. Du coup, j'ai cliqué plusieurs fois. Normalement, je devrais avoir deux fois plus de 13 500 V-Bucks sur mon compte Fortnite. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube, code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et comme d'habitude, c'était FinTech. Allez, ciao tout le monde!